Eh oh! Y'a quelqu'un? Barry! Non! Danny! Vous n'êtes pas! Pitié! La porte de fond est fermée. Qu'est-ce que... Non, pas ça! Je suis désolé! Vous étiez en prison l'autre jour. Si. Je suis retourné à la ferme. Pour l'alcool, vous savez. Ça aide à voir plus clair. Ils sont chez les fous. Ça va pas leur manquer. Mais j'ai perdu mon pote Danny. Je l'ai perdu. Ah. Il lui est arrivé un truc. C'est plus le même. Comme dans la suite ratée. Un très bon film, dans laquelle le meilleur ami devient le méchant. Qui a écrit ces conneries d'ailleurs? J'ai passé en revue tous les scénarios possibles. Si je continue d'obéir à l'ombre noire, mon histoire ne sauvera pas Alice. Cette histoire d'horreur finira par la tuer, tout comme moi et les habitants de cette ville. Personne ne survivra. Les ténèbres dévoreront tout. C'est ce qu'elles cherchent depuis le début. Elles seront libres. Personne ne pourra les arrêter. Elles se sont servies d'Alice pour m'atteindre, l'ont utilisée comme appât pour me forcer à continuer. Elles n'ont jamais eu l'intention de la libérer. Mais je vais changer tout ça. Je vais leur échapper. Je fais désormais partie de l'histoire. J'en suis l'un des protagonistes. La ferme se trouvait encore assez loin. Il me fallait trouver une voiture pour y aller rapidement. Si Barry n'était pas ici, il devait avoir des ennuis à la ferme. L'espace d'un instant, je m'en voulus d'avoir douté de lui. Après tout, je m'en étais sorti jusqu'ici. Mais Barry, c'était Barry. Thank you.
lâchez pas de fille. Je savais que les frères avaient été des sortes de stars du rock, mais c'est en voyant la scène que j'en pris réellement conscience. Al ! Cours ! Ils sont trop nombreux ! C'est dingue ! Je vais décider de la jouer solo, car elle prend le sol.